Théo, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes mannequin et influenceur. C'est ça. Vous êtes monégasque, vous habitez la Principauté. Exactement. Et là, vous êtes de visite en Paris pour la Fashion Week. Et vous êtes venu au salon Drop. Exactement, je suis venu ici avec un ami à moi. Au début, je ne savais pas qu'il y avait le salon. Et il m'a prévenu au dernier moment. On a fait un petit tour et j'ai repéré 2-3 paires. Quand vous avez vu justement tout cet assortiment de sneakers, vous en pensez quoi? C'est affolant. Hein. Il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Non, il y a l'embarras du choix. Puis même. Il y a tous les prix. Il y a tous les prix, il y a des belles paires, des choses qu'on ne voit pas souvent, des choses qui datent d'il y a longtemps, très exclusifs. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Il y a des exemplaires de folie. Hein. Ouais, notamment les. Là, je vois les Jordan Dior. Ouais. Non, il y a des paires qu'on ne voit pas souvent, même dans la rue ou portées. Ouais. Et non, c'est cool. Et vous, vos chaussures, vous les portez au moins? Moi, je les porte. Bah, vous ne laissez pas chez vous sur un meuble? Non, moi je les porte toutes. Exactement. Justement, là, c'est des... Ouais, Jordan 4. Hein. Cool Grey, ouais. C'est sorti en 2019, je crois. Ouais. Non. Vous pensez combien de fois? Une dizaine de fois. On dirait qu'ils sont comme neufs. Comme neufs. Vous en prenez ça ou il faut en prendre soin? Ouais, bien sûr. Bah, des paires comme ça, il faut en prendre soin, sinon c'est un investissement à perte. Hein. Ah, vous êtes fait un petit plaisir? Vous avez trouvé quelque chose? Exactement. Trouver une petite paire de Jordan 4. Voilà. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sont belles, ouais, elles sont très belles. Non, je suis content. Alors là, c'est un modèle 2017. Il me semble que c'est 2017, je suis pas sûr. Non, elles sont très belles. Alors, à l'époque, parce que elles sont dans leur boîte d'origine, et il y a encore le prix d'indiqué, et on était à 189 euros. Et là, sur le salon, vous avez touché à 400 ? À 400 euros, ouais. C'est ça. Elles sont magnifiques. Ouais, elles sont belles. C'est un petit plaisir. Et là, il n'y avait qu'un exemplaire. Là, il n'avait qu'un exemplaire en cette taille, ouais. C'était pile votre taille. Pile ma taille. Ouais. Et en fait, il a un stand là, juste là-bas, ouais. Et il a que des paires en 44. D'accord. Puisque en fait, il vend sa collection personnelle. Ouais. Et voilà, c'est pile ma taille. Il faut tomber sur des bonnes occasions, justement. Il y a des revendeurs professionnels et il y a aussi des particuliers qui ont leur propre collection et qui cèdent une partie de leur collection pour en racheter une nouvelle. Exactement. Moi, j'ai fait ça quelques années, mais il y a longtemps quand j'étais plus jeune. Ouais. Et après ça m'a un peu. Ça prend trop de temps, c'est fatigant. Et puis on en a marre de avoir plein de paires qui passent sous la main et pas pouvoir les porter, c'est frustrant. Ouais. Du coup, non maintenant je profite, quand je peux me le permettre, je me fais un petit plaisir et au moins je mets toutes mes paires. Bon, vous regrettez pas votre passage à Paris ici, hein? Non, du tout. Bon. Du tout. En tant qu'influenceur, on peut vous retrouver sur quel site? Sur TikTok, sur Instagram, Snapchat, toutes les plateformes. Tous les réseaux. Mais quoi? Comme LILSPADI. L-I-L, S-P-A-D-I. C'est ça. Voilà. Et on vous retrouve. Et on me retrouve. Merci à vous. Merci à vous. Et bon séjour à Paris. Beaucoup. Et prenez-en soin. Ouais, toujours, ne vous inquiétez pas. Merci.